plus large que le département, dans la région de Kaolack, de manière générale, dans les trois départements, vous verrez dans ce programme, il y a un volet route bitumée. Et pour ce volet route bitumée, le département de Guingenev est bien servi, avec un programme de l'ordre de 2 milliards 600 millions. Qui est en cours d'exécution. 2 milliards 600 millions. Il y a un autre projet au niveau département. Il y a un autre grand projet qui va permettre de relier la route nationale numéro 4 au grand Louma de Ndiébel, qui va désenclaver la partie ouest du département de Guingenev. Est-ce que dans les détails, on peut voir l'itinéraire de cette route-là dont vous parlez? Cette route-là part de la route nationale numéro 4. Elle passe par Mandukuda jusqu'à Ndiébel, sur 15 km. Ensuite, il y a une bretelle qui part de Soumel jusqu'à Fass-Barico, qui relie les communes de Ouro et de Fass. La première, c'est route Bitumée. Il est important de se dire là-bas, il y a plus beaucoup de monde dans sa politique d'accompagnement de l'autre. Ah oui, il y a assez de la demande dans la mairie, il y avait une requête pour le monde à part. Le Sénat a accepté. C'est pour faire des travaux dont les demandes étaient présentes. Donc c'est important de dire qu'on a eu 30% d'abonnés par rapport au marché de base. Donc, pour augmenter le linéaire. Le projet de base était de 2 km. Maintenant, on fait 2 km. L'abonnement est de 80 millions, 369 millions. C'est de l'ordre de 30%. Ce qui fait que le projet, actuellement le projet, c'est de 369 millions. Peut-être ce qu'il faut préciser, c'est juste que ce qui est important, ce projet, c'est un projet de la mairie. Le FERA, c'est un bailleur. Il vient en appui financier à la mairie. Le maître d'ouvrage, c'est la mairie. C'est la mairie qui prépare son dossier. Avec le FERA vient aussi en appui technique quand même. Oui, mais c'est la mairie qui prépare son DAO, qui lance son DAO, qui fait la passation des marchés dans les règles de l'art. Mais aussi sous contrôle du FERA, parce que comme c'est le bailleur. Ensuite, le FERA l'accompagne aussi pour le recrutement d'un consultant. Le maître d'ouvrage, le consultant qui vient assister techniquement la commune aussi, dans le contrôle, parce que les communes ne sont pas outillées techniquement. Mm-hmm. Voilà, le consultant est recruté aussi. Il reste entendu que, même si c'est un projet de la mairie, c'est un projet réalisé sur décision du chef de l'État. C'est un projet du chef de l'État. Et c'est là où j'ai entré. Donc, on est dans une centaine de mairies dans le pays. Et ça, si le président l'a décidé, nous, on est le FERA. C'est une structure du ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement. C'est une structure de l'État du Sénégal. Et c'est l'État qui a décidé d'accompagner les communes. Parce que le réseau routier du Sénégal est subdivisé en deux parties. Il y a le réseau classé, qui est à la charge de l'État du Sénégal, qui fait 16 000 km. Mais il y a le réseau des communes, qui fait 30 000 km, qui est presque le double du linéaire de l'État. Maintenant, l'État, sachant que les communes, aucune commune du pays n'a les ressources nécessaires pour entretenir son réseau, a instruit le FERA de financer l'entretien, la préservation de son patrimoine de 16 000 km, mais également d'accompagner les communes dans la préservation du patrimoine de 30 000 km. Et on le fait aujourd'hui à Guingenev, on est en train de le faire à Thiès, on est en train de le faire à Djourbel, on l'a fait à Ngaïmékhé, on le fait à Djigéchor,
à Koussoum, partout Bignona, on le fait partout dans le pays. Donc ça c'est un programme global du chef de l'État de réhabiliter toutes les voiries des communes du Sénégal. Et c'est dans ce sens. Mais pour les 30 000 km, l'État n'intervient pas directement. L'État passe par les mairies. Mais comme je vous l'ai expliqué, aucune mairie ne peut entretenir sa voirie. Moi-même, je suis maire. Je ne peux pas entretenir ma voirie. J'ai besoin du concours de l'État, du concours de l'État du Sénégal, à travers le ministère des Infrastructures, des Transports, du Désenclavement, pour refaire mes pistes, pour bénéficier de quelques kilomètres de route bitumée. Et Guinguené aussi, étant entendu que, en tout cas, les habitants doivent intervenir. Moi-même, j'ai vu des charretiers procéder à des bouchages de nid de poule. C'est une image qui m'a choqué, qui a choqué le chef de l'État et qui a pris la décision d'accompagner la commune de Guinguené pour refaire la voirie. Ouais. Donc, pour compléter un peu ce qu'il a dit, ouais. À part ce deux autres qui sont des distances très dégâts, et on a déjà passé actuellement, on a demandé le remède. On va aller là-bas après. On va aller visiter ça. Donc ñoo ko gisino donc mu done visite bi nga xamné directeur Ferramo ñoo done visite chantier donc en tout cas lima gay neex wax di nek moy bu gën dege ci bir waxam nak na xamal na bokk na ci liko gëna choquer moy bam gisé borom sérét di damier talibi di jëma défar né yaramam dafa daw et sincèrement bam ko gisé mo won ko le président aussi yaramam daw mo xamna won gayna metton le appli donc lolu day prouver que né dans la vie ni défar rek ko ci fek la ci donc encore une fois mention spéciale borom sérét le charitier en tout cas sen initiative la am solo la machallah wa c'est comme ça la vie da ngay jëm rek wa Thank you.
Donc moment bi ñu tollé ñi hôpital ñi ci district sanitaire bi parce que talib bi nga xamné fa lañu préparé day exhibe fi ci hôpital bi ñi défal lén fi aussi ben genre rond-point wa donc ñoo ko jëndo mu nek lo xamné lu askan bi soxla la parce que hôpital mom finalement jafé jafé la won pour gaay ñew fi gaay am fi accès donc comme ñen ci rek donc docteur Ferragnon do def visite mu nek la am soldat en tout cas li mom machallah on va manger. Mais depuis votre venue, on sent nettement que les collectivités locales sont impliquées dans l'affaire. C'est ça. Laisse-moi vous dire. C'est ça. On est bien d'accord, mais ça. Laisse-moi dire ce que je veux dire. C'est des actions, oui, mais on a tellement d'investissements dans ce pays-là qu'ils ne sont pas appliqués. C'est ça. Ils ne sont pas appliqués. On les donne, mais on ne les applique pas. On les applique. Thank you.
OK déjà bu ngeen xolé côté bi nga xamné mo jëm boss déjà fi mom commencé nañ ko ñëwlal ah fi mom machallah fi mom commencé na ñëwul quoi wa machallah ñam sen do ah donc bu ngeen jé jumaa rek di ngeen xam secteur bi site bi juste fan la quoi wa en tout cas machallah ma yokal nañ ci aussi que né nga xamné li commencé que par de Diop Sallou ba mairie talib fofu day am territoire quoi wa lool mo machallah da nga raftal rek trop 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 mana ñepp nga lay remercier doli ñu yaay déglé ma fay doli ñu man fi nak lay l'argent du coffre magasin d'eau,
félicitations. Mais je ne voudrais pas que vous en gagnez même. Ensuite, le directeur du centre de formation et de professionnels de travail. Donc, pour nous faire une convention, nous avons pour cette formation. Nous pouvons faire des gangs, nous pouvons faire à travers tout le Sénégal. Récemment, on était dans la région de Ziguinchor. Nous avons fait les trois départements de Ziguinchor. Nous avons fait des gangs. On est allé partout. Il ne faudrait pas que les gens pensent que nous pouvons faire des gangs. Nous pouvons faire des gangs là-bas. Tous les départements, toutes les régions du Sénégal. Donc vraiment, ensuite, depuis 10 ans, je suis le directeur de ce centre-là. Mais c'est avec lui, en toute sincérité, c'est avec lui que nous avons senti que les côtés territoriales, amener nous une tire du fond d'entier qui est autonome. Ok, monsieur le secrétaire. On a vu la voirie de peut-être dans cette station d'intégration, mais pour une collectivité locale qui dirigeait les populations, qu'est-ce que vous en pensez? Non, une satisfaction locale. Je l'ai dit tantôt. Depuis 1996, je suis un acteur des politiques intérieures. Mais pendant les trois ans, depuis que Mamadou Faye est à la tête de cette institution, d'ailleurs, c'est pour cela que le président de la République a vu ses actions. Il a fait comme directeur. En ce moment, le fer a été. Il était un administrateur. Actuellement, c'est un directeur. C'est pour se lancer. Il nous a donné l'occasion, en tant que collectivité territoriale, de bénéficier de ces fonds-là. Peut-être que ces fonds existaient avant lui, mais les collectivités territoriales ne savaient pas que ces fonds étaient logés dans le... Ils pouvaient bénéficier des financements du FERA. Mais à son arrivée, grâce à lui, ces fonds, les collectivités locales ont obtenu des financements. Ce ne sont pas des financements de l'entretien routier seulement, mais il a eu, avant la convention de l'entretien routier, nous avons eu une convention de désensablement et de cantonnage. Il a ça nous a permis de matérialiser le Khayundaou du président de la République, parce qu'on a eu à recruter 107 cantonniers qui vont passer à 150, il vient de l'avouer. Donc grâce à lui, nous tenons à le remercier et à dire au président de la République, ce sont les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ça, ce sont les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Nous vous remercions. Vous êtes dans une bonne vision. Le slogan que disent toutes les populations de Guinée. Monsieur Faye, Mourou Faye dolluñu ndax mo war ndax lañ daan gënt ay at président Macky Sall dolluñu président Macky Sall dolluñu Mourou Faye dolluñu dañ daan gënt ay at dañ ka gis ma sha Allah dama dem bureau Fera mu tégal ma talié ak ropon yépp nek toyu li lepp ma sha Allah mi ngi waye ñew waye bi ba ñewé ba gis gaay nek ci da xamné lam doon wax ma sha def lako té mérité gina nak bénn ma féké ko mën té wax day dungom cédé kon yalla taxawal la taxawal ngir ci kaw yépp ba ci président bi ngeen bëgg ci dëkk bi yalla aggal ko ndax dëkk bi warna melni dëkk yépp yu ñu dégg ndax ñu gënaaw dëkk bu mag la taw am nañ suñu nawlé fu ñu dem fu ñu nit ku fi ñew dañuy bëgg sëgg sax waye li bu kontiné ma sha Allah ku fi ñew dañuy sëgg dañuy am sak dañuy am sutura xamna gi gënaaw ci kaw ci kanam su wéet ma dal Mamadou buy diir mag gram bu ñol loro jot waye bu xali guddu jot dañu xamna gram boy ba Mamadou fa yaay gram bu jëre rek vous êtes à la tête d'une institution mais il y a des gens derrière vous. Je tenais à féliciter ces gens-là. Je veux nommer Bassirou Faye. Bassirou Faye, sincèrement, il nous a aidé dans la conception du dossier. Comprendre. Et Alassane Diagne, sincèrement, je tenais à vous remercier devant votre supérieur. Sincèrement, tous les plaisirs, sincèrement, nous les remercions parce que nous avons eu à collaborer dans des étroites collaborations. Merci.
Thank you.